Belle-sœur, maintenant notre photo solo. Oui, tu peux prendre ta photo. J'arrive juste dans une minute. S'il te plaît, reste ici. Je ne veux pas prendre de photo avec lui. Il donne une odeur de vin. Arrête, tranquille, il entendrait. Voir, tu ne dois prendre qu'une seule photo. Et maintenant ma photo avec ma belle-sœur. Pourquoi vois-tu cette photo et te torturer encore? Ces images. Je ne peux pas arrêter de les voir. Mes souvenirs leur sont affiliés. Beaucoup de souvenirs. Pourquoi fais-tu ça? Cela n'apportera aucun bénéfice, seulement de la tristesse. J'ai même. Je ne peux même pas penser ça. Mon propre frère me ferait du mal et fait ça avec moi. Ça se passe comme ça. Plus un homme fait confiance à quelqu'un, plus il le trahit. Et ma mère, toujours, reproche-moi. Mais tu sais que je l'aime aussi autant qu'eux. Mon frère l'a fait. Elle a eu deux fils. Partagez l'amour. Je n'avais que ma mère. Avec qui dois-je partager mon amour? Papa, ça me fait très mal quand je te vois comme ça. S'il te plaît, ne fais pas ça avec toi, s'il te plaît. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Cette personne même ne pas être dans ma vie a fait de ma vie un enfer. Même en présence de ma mère. Ni je n'ai pris soin d'elle, ni je n'ai reçu ses prières. Elle me considère toujours comme mauvais. Je pense qu'elle le fera. Considère la même chose. Jusqu'à son dernier souffle. Je suis impuissant dans ce monde. Et dans le monde d'après aussi. Cet homme nous a tous fait beaucoup de mal. Spécialement toi. Papa, tout ira bien. Fais-moi confiance. Et Isa prendra soin d'elle. Et elle croira aussi que tu as raison. Pourrait être. Son cœur sera éclairci pour nous aussi. Oui. Je crois que cela arrivera. Par la volonté d'Allah.